et puis les acteurs qui arrivent à se démerder avec un texte, je l'ai vu l'autre jour dans je ne sais plus quoi, de toute façon je n'oublierai pas, et puis il y a un truc qui est que le texte écrit sur papier est imprononçable, mais littéralement imprononçable. Donc le petit défaut que je pourrais essayer de déceler, c'est que ça part du haut, la prod, le projet, la volonté de faire, puis ça descend d'un cran, on parle de production déléguée, après ça descend d'un cran, le projet lui-même, un auteur, un artiste, quelqu'un, un staff d'auteur, ça redescend d'un cran. Puis après les projets, entre guillemets, partent au dialogue. Le dialogue étant une entité difficilement localisable, qui se trouve quelque part, donc ça part au dialogue, puis c'est dialogué, puis ça part au casting, puis ça part aux acteurs, puis on se retrouve avec des trucs, j'ai vu des trucs en téléfilm, j'ai vu le texte en main, ça a l'air de rien comme ça, ça a l'air, ouais, en fait, c'est imprononçable. Je pense qu'il y a un gros défaut, c'est que ça part pas du bas, ça part pas du contenant, de la chair des trucs. Parce qu'un acteur qui joue bien, c'est fascinant, de toute façon. Quoi qu'il joue, un acteur qui joue bien, vous zappez, vous tombez sur un acteur qui est dedans, c'est fascinant, vous restez. Ça m'est arrivé sur un téléfilm, alors je ne connaissais pas le mec. Je suis un truc policier qui ne me plaisait pas, je vous le dis. Un truc incroyable où les mecs, ils avaient une discussion, puis il y avait une caméra qui tournait autour à 360 sans arrêt. C'était la gerbe et tout, puis je ne sais pas pourquoi ils tournaient autour de ces mecs. On appelle le style, hein. Et il y a un mec au milieu qui jouait super bien, un texte compliqué. C'était Astérix, là. Non, Astérix. Cornillac. C'était Cornillac dans la série télé. Ah, évidemment, vous avez des mecs de cette pointure-là, ils s'en sortent, évidemment, très bien, c'est pas le problème, mais vous avez des très bons acteurs, vous leur collez un texte de télé-bande, moi, pour moi, c'est ça le problème, c'est la viande qui est pas bonne. La viande, pas le dessus, les projets sont honnêtes, tout, il y a des choses très bien. La viande, le mec qui va prononcer et ce qui lui est donné dans les pattes, ça je trouve que c'est à la bourre. Selon moi. Des réactions?